Vous voulez voir quelque chose de cool? J'allais pas en mettre de toute manière. Autant le recouvrir de slime. Vous pariez que je peux le plier encore une fois? Et encore une autre? Et encore? Attendez, rien ne se passe. Regardez, c'est enfin en train de s'étaler. Super! C'est tout de même un peu salissant. Wow! Vous voyez ça? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi mon rouge à lèvres est ici? Oh non! Pas besoin de dramatiser. C'était ma teinte préférée. Et arrête! Non, donne-moi ça! Oh! C'est à moi! Je ne pense pas. Ah! Elle est si forte! C'est exact! Ah! Arrête! Wow! Hein? Où est le slime? Ça m'est complètement égal maintenant. Hé, est-ce que je devrais le faire? D'accord, alors. Et voilà! Cool! Cool! Un chariot de slime! C'est tellement cool! Regarde-le! Imagine toutes les possibilités! Ou les idées en slime! Ouais, ça va être génial! Commençons cette aventure! Tout commence ici! Ça n'a pas l'air de grand-chose maintenant, mais le plaisir est pour bientôt! Il faut juste ajouter de l'eau, n'est-ce pas? J'espère que ça va suffire! Je suis prêt! Ça arrive! Prochaine étape, de la couleur! J'aime le jaune! Maintenant qu'il pleuve! Wow, ça change déjà! Ça a l'air cool! Mettons ça dans un contenant. Et fermons-le bien. Secouons-le bien fort. Ça me semble assez. Eh bien, nous devrions ajouter quelques garnitures. Des petites fraises. Trop mignon! Maintenant, c'est le moment de vérité. Oh! Oui, nous avons du slime, les gars. Sois confortable là-dedans, d'accord? Bien joué! Smoothie de slime, quelqu'un en voudrait? Moi, bien sûr! Je suis prête à ouvrir le mien maintenant. Waouh, il y a tellement de vermicelle. C'est du slime à paillettes? Intéressant. Mais qu'est-ce que je dois faire avec? Je dois faire preuve de créativité ici. Délicieux. Bon, d'accord. Voyons ce que je peux faire ici. Tout d'abord, je dois créer un petit tube. Jusqu'ici, tout va bien. Mais il a besoin d'un fond. Vous voyez? On n'a pas besoin de tout ça. J'y suis presque. Nous avons une coupe. Voici les confettis. Et tout le slime pailleté. Tout peut rentrer. Allez! Maintenant, on scelle avec ça. On ne veut que rien ne tombe. Mais on pourrait le rendre plus mignon. Et on ajoute la paille. Voilà. Mesdames et messieurs, nous vous présentons le slime boba. Incroyable! À notre santé. Et à celle du slime, bien sûr. Trop mignon! Alors? Je commence? Ça a l'air bien aussi! Mon propre mélangeur de slime! Incroyable! C'est comme si c'était un vrai! Mais pour faire du slime, je suis tellement excitée! Mélangeons tout, bébé! J'ai préparé mon mélange à slime! Allons-y! Oh! Je vais utiliser tout le paquet! Eh, pourquoi pas, n'est-ce pas? Super! Passons maintenant aux choses amusantes. J'adore le rose vif. Commençons à mélanger, d'accord? Regarde le tourner. Ça travaille vraiment dur. Ça a viré au rose, regarde. Mais ce n'est rien sans des vermicelles. Ça devient plus joli d'un moment à l'autre. Wow! Je pense que c'est prêt. Et ça a l'air très gluant. Et c'est une très bonne chose. Regarde! Fait aussi à partir de zéro! Superbement extensible et malléable! Trop génial! Il a l'air si bien! Ah! Non, ce serait dégoûtant! Heureux que tu sois contente! Mais maintenant, c'est à mon tour! Et quel tour! Mais qu'est-ce que je dois faire avec tout ça? Je ne comprends pas! À moins que... Commençons à cuisiner. Je n'ai jamais chauffé des oursons en gélatine auparavant. Mais je crois que ça va me plaire. Wow, est-ce que tu entends ce grésillement?
Ajoutons maintenant un peu de fécule de maïs et un peu de sucre glace. Et voyons la magie opérer. Tu vois comment ça s'épaissit? Maintenant, mettons du colorant alimentaire. C'est exactement ce dont je parle. J'ai presque fini. Regarde cette beauté! Il est temps de jouer avec, une fois que ça refroidit, bien sûr. Wow! Regarde comme c'est gluant! Oh, tellement collant! Je parie que ça pourrait s'étendre sur des kilomètres! Des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres! Mais ce qu'il y a de mieux? C'est que c'est comestible et délicieux! Impossible! Waouh! Ce truc est plutôt cool! Je ne vais pas te le faire dire deux fois! Tout est plus beau avec des bulles! On va s'amuser un peu! Wouh! Ça me rend heureuse! Et le plus beau, c'est que je n'ai aucun effort à faire! C'est impressionnant! Oh, dis donc! Waouh! Regarde-moi ça! Cette mallette est faite avec l'or et l'argent les plus fins au monde! Et elle contient ce jeu, des plus uniques! C'est tellement stylé! Je sais que tu es jalouse! Oh! J'adore cette sensation! Je pourrais passer ma journée à faire ça! Qu'est-ce que c'est drôle! Oh, c'est vrai que ça a l'air marrant! Et tu n'as encore rien vu! Regarde ce que ça fait quand j'ajoute des paillettes! Je vais t'en mettre dans les trous! Comme ça, c'est bien! Et maintenant, j'appuie! C'est incroyable! Je devrais garder ça sur moi en permanence! T'as vu? Fais-moi voir encore! C'est parti! Argenté, ma deuxième couleur préférée après le doré! Wouhou! Encore une fois! C'est vraiment trop drôle! J'ai une chambre à paillettes chez moi! Elle a tellement de chance! C'est quoi ça? Je peux peut-être me servir de cette feuille pour me fabriquer un jeu? Dépose une feuille de papier sur une surface plane. Ensuite, prends un rouleau de scotch et marque les contours avec un crayon. Retire le scotch et dessine un visage d'émoji au feutre. Choisis celui que tu préfères. N'oublie pas d'ajouter des petits détails et de la couleur. Il faut qu'il soit parfait. Découpe proprement autour du cercle. Fais une entaille sur le dessus du disque. Amène une extrémité sur l'autre pour donner du relief au papier. Colle le tout avec du scotch pour que ça tienne bien. Découpe une forme de 8 dans une feuille. Retire les centres des deux ronds du 8 et dépose des émojis par-dessus. Ajoute un autre 8 au-dessus et colle-le avec du scotch. J'ai mon propre jeu et il fonctionne très bien. Contente! Triste! Eh, hey, c'est une super idée! Regarde-moi! Tu es ridicule! J'adore! J'adore les voitures de luxe! Papa a promis de m'en acheter une comme ça! Et une comme ça! Mais en attendant, je vais me contenter de celle-là! Vroom, vroom! Regarde-les! Oh non! Attention! Regarde ça! Mais non! Une licorne! Tu as tellement de chance! Eh oui, je vais lui montrer. Je dois pouvoir me trouver ma propre licorne. Hein? Comment on se sert de ça? Tu vas me transformer en crapaud? Non, plus tard, peut-être. J'ai quelque chose à faire avant. Arrête de faire ta curieuse. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Achou! C'était une mauvaise idée. De la farine! Oh, c'est pas vrai! Tu es ridicule! À quoi bon? Attends. Je n'avais jamais vu ces ballons. Je sais quoi faire! C'est une idée de génie! Il va te falloir un ballon. Prends un entonnoir et retourne-le. Tire sur le ballon pour l'insérer sur l'embout de l'entonnoir. Ensuite, retourne l'entonnoir. Il te faut maintenant de la farine. Verse un peu de farine dans le ballon à l'aide de l'entonnoir. Là, il y en a assez. Tapote sur l'entonnoir pour bien faire glisser toute la farine dans le ballon. Enlève l'entonnoir et fais un nœud sur le ballon. Serre bien. Retire ce qui dépasse avec des ciseaux. Fais ça avec plein de ballons de couleurs différentes. Ensuite, prends un bol d'eau savonneuse. Mets les ballons dans le bol. Déplace-les pour qu'ils se couvrent bien de l'eau savonneuse. Récupère les ballons et laisse-les sécher sur une serviette. Fais très attention, il ne faut pas qu'ils éclatent. Ça me paraît bien. Rapproche doucement les ballons les uns des autres. Ils vont commencer à se coller les uns aux autres. Ça a fonctionné! Les ballons sont tout doux et mous à la fois! Pas besoin de jouer cher! Où est-ce qu'elle a trouvé ça? Ça a l'air marrant! Au moins, j'ai toujours mes voitures! Vroom, vroom! Nous y sommes!
Le jour est enfin arrivé et je ne suis pas prête. Il y a trop de choses à apprendre. Rien de tout cela ne fait sens. Enfin, regarde ça. Je suis tellement stressée, je n'arrive même pas à me concentrer. Attends une seconde. J'ai une idée. J'ai juste besoin de ma boîte super secrète. Tout ce dont j'ai besoin se trouve ici. Voyons voir. J'ai besoin de cette pompe et j'aime l'aspect de cette boule verte. Je vais la mettre sur l'embout de la pompe et je peux maintenant la gonfler. Oh, elle grossit! C'est comme un ballon! Ça devrait suffire. Je vais boucher l'extrémité. Et maintenant, il faut que je la décore. Je vais ajouter des oreilles et une bouche. Et des jambes. Et pour finir, je vais coller des cheveux dessus. Ça va m'aider à me détendre. Qu'est-ce que c'est? Donne-moi ça! Non, c'est à moi! Donne-moi ça! Non! Fais-toi le tien! Alors c'est comme ça, hein? Et qu'est-ce que tu dis de ça? C'est une blague? Oh, tu es vraiment pénible! Oh oh! Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolée! Ne t'inquiète pas! Attends, ce scotch pourrait être utile! Je pense savoir comment résoudre ce problème! Je reviens tout de suite! J'ai besoin d'une bande de ruban adhésif! Comme ça, c'est la bonne taille. Ensuite, j'ai besoin d'une paille métallique. Je vais enrouler le ruban adhésif autour de l'extrémité de la paille. Il faut que je ferme bien. Je ne veux pas de trous. Ensuite, je vais chercher mon sèche-cheveux. Je vais chauffer le scotch. Et ensuite, je souffle dans la paille. Je veux créer une bulle, comme ça. Maintenant, je vais coller des morceaux de plastique dessus. Il faut que j'ajoute un visage. J'ai ajouté des yeux. Et maintenant, un nez et une bouche. Et pour finir, je vais dessiner des moustaches. Je pense qu'il est prêt. J'ai fait ça pour toi. Oh, ils sont bien rebondis. Oh, c'est vrai qu'ils sont beaux. Merci Elsa, c'est très gentil. Allez, il faut qu'on révise. Ah, tu sais, je ne suis plus aussi inquiète qu'avant. Je pense que tout est prêt. Je veux que ce soit la meilleure fête d'anniversaire de tous les temps. Laura, tu as pu venir. Je suis tellement contente de te voir. Ferme les yeux. J'aime les surprises. Wow. Tu peux les ouvrir. Je me demande ce que c'est. Waouh, c'est une boule à neige. Elle est trop jolie. Oh oh, elle est passée où? Ce n'était pas censé faire ça. Waouh! C'est le pire des anniversaires! Ce n'est pas grave, on peut arranger ça. Je dois juste réfléchir rapidement. Je vais récupérer les larmes d'Elsa dans cette bouteille. C'est fini! Continue à pleurer. Waouh, il y a beaucoup de larmes, mais je vais pouvoir les utiliser. Tiens-moi ça. J'ai du pain sur la planche. Pour commencer, il me faut de la colle. Je vais en verser quelques gouttes dans la bouteille. Je pense que c'est suffisant. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Oh ouais, des paillettes! Je vais les verser là-dedans. Il faut que ça brille. Les étoiles sont jolies, mais il nous en faut plus. Heureusement, j'ai beaucoup, beaucoup de paillettes. C'est parfait. Maintenant, je vais mélanger le tout. Waouh, ça a l'air vraiment magique. Maintenant, je peux remettre le bouchon. Je veux éviter d'en renverser partout. Et maintenant, je peux secouer. Incroyable, je pourrais regarder ça pendant une éternité. C'est tellement hypnotisant. Quand j'arrête de secouer, les paillettes et les étoiles tourbillonnent. C'est tellement joli. J'ai hâte de le montrer à Elsa. Pourquoi est-ce qu'il fallait que ça arrive? Et arrête un peu de pleurer. Laisse-moi tranquille. Regarde ce que j'ai. Waouh, c'est comme la boule à neige. Waouh, tu pleures vraiment beaucoup. Il faut que je vide ça. Au moins, les plantes sont arrosées. C'est le meilleur cadeau qui soit. Mon anniversaire n'est pas gâché. Merci, Nora. Tu es la meilleure amie qui soit. Waouh, j'ai hâte de voir la fête de l'espace. Ça va être extraordinaire. Salut, entre. J'adore le costume, Elsa. Merci, je l'ai fait moi-même. Qu'est-ce que tu attends? Entre. Wouhou! Bonjour. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais que c'est une fête costumée, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Et alors? Qu'est-ce que tu portes là? Donne-moi une petite seconde. Elle est là. C'est une petite grenouille. D'accord, et pourquoi tu me montres ça? Waouh, des bulles! Mais ouais, c'est trop cool, non? Tout le monde aime les bulles. Elles apportent joie et bonheur dans le monde. J'ai envie de toutes les éclater. Tu peux entrer. Waouh, j'adore mon travail. Elsa, tu es là! Je n'aurais jamais raté ça. Hé, Nora, viens par ici. Nora, viens avec nous. Hé, regardez ce que j'ai. Waouh, il y a plein de bulles. Et il y en a pour tout le monde. Ce petit bonhomme participe à la bonne ambiance. Oh oh, ça n'a pas l'air bon. Qu'est-ce qu'il se passe? Je vais aller par là-bas.
Oh non, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Attendez, j'ai une idée géniale. Reste là, j'ai besoin de ces pailles. Je suis sur le point de t'en mettre plein la vue. Je vais avoir besoin de mon bandeau pour les cheveux. Je vais l'enrouler autour des pailles. Ça m'a l'air de bien tenir. Je vais avoir besoin de ce bonbon. Ce travail donne faim. C'est bon, prends-le. J'ai d'autres choses à faire. Je vais verser du soda dans l'assiette. Il ne m'en faut pas beaucoup. Là, c'est parfait. Maintenant, je peux plonger les pailles dans le soda. Je vais les déplacer de manière à ce qu'elles soient bien recouvertes. Prête à voir quelque chose de stylé? Waouh! Tu as fait des bulles! Continue! Wouhou! C'est incroyable! Pause! Je n'en peux plus! Ok, c'est reparti! Ne t'arrête pas, Elsa! Oh, quel joyeux ballon! Mais pas pour longtemps! Ça fait du bien! Je veux le faire encore et encore! Ok, je pense que ça suffit! Il est temps de se salir les mains! Oh, c'est vraiment visqueux et mou! C'est tellement amusant! Bonjour chérie, je suis rentrée! Je suis si heureux de te voir! Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon slime! Attention! Oups, c'est ma faute! Attention les gars! Tout est de ta faute! Oh, regarde, des plats mystérieux! Je veux y aller en premier! Waouh! Regardez ça! C'est de la pâte à guimauve rose! C'est mon jour de chance! J'adore ça! Je ne peux plus attendre! J'ai trop hâte! N'est-ce pas merveilleux? C'est tout collant et gluant! Waouh! C'est vrai que ça a l'air bien! Oh, voilà une grosse goutte! Ça a l'air vraiment bon! Je me demande! Je pense pouvoir l'améliorer encore plus! Donne-moi une seconde! Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire passer cette pâte à guimauve au niveau supérieur! Peu importe! C'est mon tour! Hé, regardez ça! C'est un bol de guimauve géante! Je vais aller voir de plus près! Ouh, c'est doux! J'aime bien! Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Waouh, c'est magnifique! Je les veux! Eh bien, c'est les miennes! Il y a quelque chose qui ne va pas ici! Elles sont un peu ordinaires! Mais je peux y remédier! Je mettrai les guimauves dans un autre bol! Ensuite, j'ai besoin de colorant alimentaire bleu. Je le verserai sur les guimauves. Tout le monde sait que le bleu est la plus belle couleur. Il reste un ingrédient à ajouter. Il me faut de la fécule de maïs. Peut-être une cuillerée de plus. Ok, c'est tout. Maintenant, je vais tout mélanger. Je veux la toucher, je veux la toucher. Oh ouais, c'est de ça que je parle. Je la poserai sur une planche farinée. Ça l'empêchera de coller à mes mains. Ça signifie que je peux la tirer et l'étirer. Je vais lui donner la forme d'une boule. J'ai fait une autre boule de slime en guimauve. J'ai utilisé un colorant alimentaire différent pour celle-ci. Je vais les pétrir ensemble. Je pourrais faire ça toute la journée. C'est une sensation extraordinaire. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu sais que je suis assise juste là? Je sais ce que j'ai dit. C'est vraiment moelleux. Livraison pour Hazel. Oh, mon ingrédient secret est là! Du poulet frit, délicieux et croustillant. J'en ai l'eau à la bouche. C'est l'heure du spectacle. Je le tremperai dans la guimauve. Je vais l'insérer là-dedans. Maintenant, je ferme le bocal. Et je vais le secouer. Secoue, secoue, secoue. Wouh! Ok, ça suffit. C'est une blague? Ça va être dégoûtant. T'es juste jaloux. Waouh, c'est de ça que je parle. Je vais goûter. C'est exceptionnel! Qui es-tu? Ça fait du bien! Je devrais être chef cuisinier! Ouh, le voilà! Hazel, non! Je veux y aller! Oh, c'est un gros bouton! Bonjour Elsa! Attention! Ah, c'est tellement dégoûtant! Dis donc, super accueil! Tu sais, tu ferais mieux de percer tes boutons. Il est tellement gros et plein de pus. Il faut que tu le fasses disparaître. Heureusement pour toi, j'ai pile ce qu'il te faut. Où c'est? Oh, voilà ce que je cherche! Regarde ça! Hey. Ce gadget va répondre à tous tes besoins en matière d'élimination de boutons. Oh, ça m'intrigue! Merci Nora! J'imagine que ça vaut la peine d'essayer. Je vais commencer par celui-là. Waouh! C'était carrément une éruption! Ça fait tellement de bien! Oh, je n'ai plus de boutons! Il faut que je trouve quelque chose d'autre à percer. J'y vais, j'en suis capable. C'est l'occasion ou jamais. Il faut que je vois ce que Nora a d'autre. Waouh, regarde tout ça. On se croirait dans un magasin de jouets. Oh, c'est magnifique. Et c'est à moi. Attention, ça ne va pas être beau à voir. Oh ouais, c'est ça qu'on aime.
Encore, j'en veux encore. Je ne peux plus m'arrêter. Oh, c'est le dernier. Je n'ai plus besoin de ça. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il est énorme. Je ne peux pas résister. Il va me falloir une protection. Je suis prête. Regarde bien. Toute cette matière gluante prête à éclater. Ne fais surtout pas ça. Quoi? C'est une ninja? Je savais que tu allais faire ça. Je vais poser du papier bulle sur un morceau de carton. J'ai rempli une seringue de peinture. Je vais injecter ça dans la bulle. Je la remplis complètement. Et je vais faire de même avec le reste des bulles. Je vais utiliser des peintures de couleurs différentes pour que ce soit plus sympa à voir. Ça devrait suffire. Maintenant, je peux le donner à Elsa. Prends ça, éclate-en autant que tu veux. Waouh, c'est impressionnant. C'est comme si tous mes anniversaires étaient arrivés en même temps. Waouh, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est tellement gluant. Ça en met partout. J'adore. Je pourrais passer ma journée à faire ça. En fait, j'ai peut-être un problème. Je ne peux pas m'arrêter. Il faut que je les éclate tous. En même temps, c'est tellement apaisant. Ah, je suis au maximum de la zénitude, là. Il n'en reste qu'un. Waouh, heureusement que j'ai mis des gants. Sinon, j'aurais dû me frotter les mains pendant des semaines. Merci, Nora. On adore tous les pop-its, pas vrai? Grands ou petits, ils sont amusants. Oh, ça fait tellement du bien. Regarde ça. Trop beau. J'adore les spinners. Voilà une chose qui me réjouit, Claire. Waouh, encore? Il y en a tellement, on se croirait à Noël. Pourquoi en a-t-on autant? Je crois qu'on va tester les jouets les plus viraux du moment. C'est un sacré travail, mais quelqu'un doit bien le faire. Vroom, vroom! Attention, elles vont se rentrer dedans. Choc frontal. Ah, j'ai toujours dit que tu conduisais mal. C'est sympa de jouer tout en relaxant. Bip, bip, attention! Waouh! Génial! Tu savais que ça allait faire ça? C'est une licorne! Elle est trop belle! Attends, si cette licorne est apparue à partir de deux voitures, est-ce que ça veut dire que les voitures sont des licornes? Hé, Claire, réveille-toi! Tu vas bien? Reste avec moi. Désolée, c'est que j'adore les licornes. Je vais essayer un truc. Je reviens. Claire? J'espère que ça va marcher. J'ai toujours voulu avoir une vraie licorne. Je l'appellerai Princesse Paillette. Ça sera ma meilleure amie. Hé, hey, c'est Léo? Salut, Claire! Salut! Regarde ce que j'ai! On a la même licorne! On essaye? Pourquoi pas? C'est parti! Hé, hey, arrêtez ça tout de suite! Vous êtes des malades? Sors d'ici! Mais Princesse Paillette! Tu as gâché mon rêve! Hé! Hey, qu'est-ce que tu fais? Reviens! Et notre licorne? Bon, je vais jouer avec celle-là. Tu es si jolie, poussière d'étoiles. Ah, les tourtereaux arrivent. J'ai passé une excellente journée. Tu es magnifique. Tu es trop mignon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Salut! Oh, salut Claire! Depuis quand est-elle là? Ça va, ignore-la. C'est pas cool. Oh, il aime les longs cils. J'ai compris. Tes yeux sont magnifiques. Et tes cils sont si doux. Ah, tu choisis toujours les bons mots. J'ai raté quelque chose? Je suis allée me refaire une beauté. Ça devrait l'hypnotiser. Regarde ça! Mon cœur bat la chamade, Julie. Hein? Mais qu'est-ce qui brille comme ça? Waouh! Ça marche! C'est incroyable! Je n'ai jamais rien vu de tel. Oh, tu parles de ça? Je peux les toucher? Fais attention! J'aime les filles qui ont du style. Qu'est-ce que... Donc tu aimes ceux qui clignotent? Des lumières! À vous, ça t'impressionne? Il ne pourra pas résister à ça. C'est un vrai papillon de nuit. Il est attiré par les lumières. Oh! Bien joué, Julie. Tu vas voir. Salut.
Mais que fait Claire? C'est bouleversant! Que penses-tu de ça? Je vais illuminer ta vie. Et je peux changer de couleur. Je suis mignonne, douce et pleine de couleurs. Une véritable fête se prépare et tu es l'invité d'honneur. C'est hallucinant! Je n'arrive pas à choisir. Peut-être que ça t'aidera. Youhou! Lumière tamisée? Ok, c'est vrai que c'est cool, Claire. Tu aimes ça? Ne la regarde pas, elle est désespérée. Ne vous arrêtez pas. Je m'ennuie. Et si tu essayais de lire un livre? Je peux aussi jouer avec ça. Il ne faut pas oublier ceci. J'ai juste à l'allumer. Waouh, regarde! Hé, Julie, attrape! Qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est plus drôle qu'un livre. J'ai une idée! Viens! Ok! Tu es prête? Oui, joli lancé! C'est génial! Passons aux figures! Lance-la à travers ces cerceaux! Oui! Augmentons la difficulté! C'est pas facile! J'y crois pas, j'ai réussi! Incroyable! Ça va être trop mignon! Il ne s'y attendra pas! Envoyons-la! Est-ce que c'est une soucoupe volante? Oh, il y a un message! Tu m'aimes? Oh! Au revoir, jolie petite ovni! Bon appétit, mon amour, hein? Les caméras m'adorent! D'où vient tout ce vent? Hé! Reviens! La batterie devrait s'épuiser bientôt! Essaye de l'attraper! Attention! Oh, on a eu chaud! Il est parti, Claire! Au moins, on s'est bien amusé! Oh, Houston, on a un problème! Je suis trop contente! Claire, viens voir! Waouh! Vas-y, ouvre! C'est trop cool! Je sais! Quel drôle de personnage! On dirait mon ex! Tu entends ça? On dirait qu'il y a quelque chose dedans. C'est peut-être un trésor. On doit voir ce que c'est. Tu veux dire que... Nous devons l'opérer. Préparons le patient. Je suis nerveuse. Tout va bien se passer. Commençons. Tu es sûre de savoir ce que tu fais? C'est pas vraiment de la neurochirurgie. En fait, voici le moment le plus dur. L'opération a été un succès. Je ne m'attendais pas à ça. Oh, ça va laisser des traces. Je me sens plus intelligente. Essayons encore. C'est le travail de toute une vie. Impossible. Je ne pourrai jamais résoudre ça. Salut! Pousse-toi d'ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, je vois. Trop facile. Le prochain coup, lance-moi un vrai défi. La réponse est 1. Bah, en fait... Tu es un génie. Nous pouvons lancer la mission. On a décollé. Je viens de sauver l'humanité. J'ai mal au crâne. Doucement. Et maintenant, les cordes. Plus vite, plus vite. C'est mon plus beau chef-d'œuvre. Ça n'a pas de prix. Je l'appellerai fleur dans un vase. Ou un truc dans le genre. Merci, c'est trop gentil. C'est un véritable honneur. On va être célèbre. Quoi? C'est ma poupée Eric. Rendez-la-moi. Léo? Depuis quand es-tu là? Ça ne fait rien. Je vais devenir intelligent. Est-ce qu'il va... Ignore-le.
Wouh! Surprise! On vient pour jouer à tout! Des jouets fidget, montés à dos de dinosaures! On déborde d'énergie! On ne veut jamais s'arrêter de jouer! Regarde, je manie le fouet comme personne! Je danse avec une barre de lumière! Je brille de mille feux! Des confettis partout! Viens, danse avec moi! C'est incroyable! Et regarde-moi ce petit pas! Je commence à fatiguer un peu! Il fait chaud, non? C'est une impression? À plus tard! Incroyable! J'adore jouer avec du sable cinétique! Oh, je sais! Je vais couper ce tas en deux! Oui, c'est comme couper du beurre! Et voilà deux tas! Je vais les recoller ensemble! J'adore toucher ce sable! Regarde, je le recolle! Et je l'émiette entre mes mains! C'est trop bien! Salut, tu es arrivé tôt ce matin! Oh, tu joues avec du sable? J'adore ça moi aussi! Hein? Hé? Je t'ai dit que tu pouvais en prendre! Qu'est-ce qu'il fabrique avec mon sable? Encore un petit peu là! J'ai presque fini! Presque fini quoi? Je ne vois rien! Hé hé hé! Ça rend super bien! Un tout petit peu plus! Il faut bien que j'appuie! Ta-da! J'ai mis le sable dans un être moule en forme de lapin! Tiens, je t'ai fait un lapin! Un lapin? Oh, c'est trop mignon! Je peux en faire plein d'autres! Comme ce cochon, une étoile, un poisson! Waouh! Le sable conserve la forme! Trop bien! C'est beaucoup trop mignon! J'ai aussi quelque chose d'autre, mais je suis timide! Mais tu es tellement jolie! J'adore tes cheveux! Tiens, je t'ai fait une bague en sable! Une bague, vraiment? Oui, je la veux! À ce doigt-là! Oui! Je vais te la mettre au doigt alors! C'est la plus belle bague au monde! Je suis trop contente! Ça me fait plaisir! Oh oh! La bague s'est cassée! Non! Je suis désolée, mais j'adore ma bague! Oh! Et attends! C'est qui ça? Oh, il a un hand spinner plein de couleurs! Il est beaucoup plus cool! Désolée! Salut! Moi aussi j'ai une bague pour toi! Tiens! Une pour chaque doigt! Et en plus, celles-là ne vont pas tomber en miettes! Elles te vont bien! On y va? Mais... Bon, je peux toujours jouer avec le sable! C'est trop marrant! Cette nourriture n'est pas folle! Oh! Il y a un garçon qui arrive! Je suppose qu'il va manger ici aussi! Salut! Mais attends! C'était quoi ça? Il y a un énorme bouton sur le visage! Je vais le percer! Hein? Ne touche pas à mon visage! Oh, dommage! Non, pas dommage! C'est mon visage! Et c'est mon bouton! Regarde, je suis infirmière maintenant et j'ai de quoi te soigner! Waouh! D'où est-ce qu'elle sort cette infirmière? Elle est trop mignonne! Tu peux prendre ma température ici si tu veux! En fait, je pensais plutôt à soigner autre chose! Non, non, non! Ne t'approche pas de mon visage avec ça! Je sais me battre! Oh, super! Ça n'a pas marché! Il me faut un autre plan! Un tout petit peu plus proche! Oh, c'est agréable! C'est le moment ou jamais! Allez-y, les mains de bébé! Et arrête, recule tout de suite avec tes mains de bébé! J'adore ces chips! Ce sont mes préférés! Hein? C'était quoi ce bruit? Oh, un petit lionceau tout mignon! Il veut des câlins! Tu es trop chou! Waouh! Ne me touche pas! Recule, bête dangereuse! Tiens, va chercher au lieu de m'attaquer! Phew! Ce repas n'est pas de tout repos! Oh! Aucun de mes plans ne fonctionne! Mais attends! J'ai une super idée! Ce jouet en forme de nez! Avec ça, elle me laissera tranquille! Tiens, c'est pour toi! Allez, prends-le! C'est quoi ce truc? On dirait un nez! Waouh! Regarde ce qui se passe quand j'appuie dessus! Ça éclate comme quand on perce un vrai bouton! Dingue! Il y a plein de pus qui sort! Ça n'en finit pas! J'adore! Et j'ai plein de boutons à percer! J'ai largement de quoi m'occuper là! Je savais que ça te plairait! Je t'en prie! Oui, je viens d'en éclater un autre! Comme ça, elle ne cherchera plus à percer le mien! Je peux me remettre à manger! La 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 la! Mon nez me chatouille! Ah, c'est mieux! Oh, le voilà! Visiblement, il va s'asseoir à côté de moi! Salut, comment ça va? Prête pour le cours? Oh, il a toujours un chewing-gum à la bouche. Qu'est-ce que ça m'énerve? Je déteste ce bruit. Tu as vu le documentaire sur les trous noirs qui passait hier à la télé? Il continue de mâcher son chewing-gum? Burk! Je vais essayer de ne pas y faire attention. Oh là là, je m'ennuie à attendre le début de ce cours. Oh, je sais quoi faire. Ça m'occupe.
Je vais faire la plus grosse bulle que j'ai jamais faite. Regarde-moi ça, je suis trop fort. Oh! Non, je me suis fait peur toute seule. Oh, c'est pas vrai, je suis tout couvert de chewing-gum maintenant. Ben, comment il va faire pour se l'enlever maintenant? Je vais garder ma tête baissée et faire comme si je n'avais rien vu. Hé, j'ai une idée. Hein? Qu'est-ce qu'il fabrique par terre? Génial, il veut que je le regarde pendant qu'il gonfle son ballon. Ah oui, il est bien en train de gonfler son ballon dans ma direction. Oh, il m'envoie tout l'air dans le visage. Arrête, je me fais emporter. Qu'est-ce que tu viens de faire? Donne-moi ces ballons. Je ne te fais pas confiance tant que tu les as. Ces ballons viennent de me donner une super idée. Alors, il va me falloir des photos de moi et du scotch. Le scotch est transparent. J'en ai recouvert toute la photo et j'ai découpé le contour de mon visage. Je vais enlever ma bouche. Je suis marrante comme ça. Ensuite, je vais faire un petit nœud dans ce ballon et je vais découper ce que j'ai en trop de ce côté-là. C'est pas mal, mais il me faut plus de scotch. Un dernier bout sur le dessus. Ensuite, je mets du scotch sur tout ce bout-là. Après tout ça, je vais le coller au dos de ma photo. Et j'ajoute la deuxième photo. Il faut que les photos restent bien l'une sur l'autre. Du coup, je vais ajouter du scotch sur les côtés. Je vais le découper en bandes. Et je vais les replier l'une après l'autre. Comme ça, ça ne va pas abîmer la photo. Je ne referme pas le dessus, comme tu vois, parce que je vais rajouter du rembourrage. Je remplis jusqu'en haut et je referme. Et voilà! Et dès que j'appuie, on dirait que je fais une bulle. Sans rire, je suis vraiment un génie. Il faut bien l'être pour penser à inventer ça. Tiens! Waouh! On ne m'a jamais offert de cadeau aussi incroyable! Oula! Il prend la chose beaucoup trop au sérieux. Il est trop bizarre. On appuie et ça fait une bulle. Trop marrant! Bulle, bulle, bulle. Excellent! Ce poème est magnifique. Le choix des mots est sublime. Oula! Des insectes! Oust! Prenez ça! Elle est là! Oh, salut! Je suis là! Je suis contente que tu sois là! Salut! Oula! J'ai failli m'en mettre dans le visage! C'est le moment de lui faire découvrir ma prose! Elle va adorer! Attends! C'est qui ce garçon qui vient de s'asseoir à côté d'elle? C'est qui ce naze? En plus, il a une balle avec des poils! Oh! Comment je peux rivaliser avec ça? Oh, j'adore cette balle toute souriante! Ah ouais, j'en étais sûre. Je sais que tu adores tous les jouets, Fidget. Il faut que je me trouve une cachette pour pouvoir observer la situation. Ah, stupide arbre. Je n'avais même pas envie de te monter dessus. Voilà, je préfère me cacher dans ce buisson. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils fabriquent avec un bras en l'air? Mais non, il l'a passé autour de son épaule. Il a osé. Parce qu'il a une coupe stylée, il pense pouvoir tout faire. Ah, ça a trop duré. Il faut que je fasse quelque chose pour gagner son cœur. J'ai cette boule d'argile. Elle est assez malléable. Je peux en faire quelque chose. Je vais juste la malaxer un petit peu pour qu'elle soit bien modelable. Voilà. Comme ça, c'est bien. Je peux lui donner une forme maintenant. Pas besoin que ce soit parfait. Je vais ajouter un pic en bois. Parfait. Et maintenant, de la peinture en bombe. Ce bleu ira très bien. Je dois bien en mettre partout. Parfait. C'est vraiment beau. Excellent. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie pourquoi je fais ça. Regarde-le, Burk. Il va vraiment falloir que je l'impressionne. Mais attends, j'ai une autre idée géniale. Hein? Vous êtes qui et pourquoi vous êtes sur mes épaules? Oh, j'ai compris. Vous voulez que je fasse ce qui est juste, c'est ça? Non, merci. Mon cœur est déjà pris. Hé, je vais aussi peindre cet œuf à la bombe. De la même couleur. Tada! On ne voit même plus la différence entre les deux. C'est le moment d'activer mon plan. C'est parti! Hey, ça te dirait d'aller au ciné avec moi bientôt? Hein? C'est qui ça? Et pourquoi il court vers nous? Oh, il n'a plus de souffle! Bizarre, on ferait mieux de faire comme si on n'avait rien vu. Tiens, on dirait qu'il continue de venir vers nous. J'ai réussi à venir jusqu'à vous! Ouais, super, tu es très proche là, mec. Eh bien, faites-moi de la place, je m'assois avec vous. Oui, d'accord, fais comme si tu étais chez toi. Qu'est-ce que tu as là? Oh non, je ne me souviens plus quel est lequel. Bon, pas grave. Tiens, j'ai fait ça pour toi. Oh, super. Merci, je peux appuyer dessus? Pas mal. C'est une jolie couleur. Trop bien. Mais non, c'est incroyable. On dirait de la lave. Oh non, ça veut dire que j'ai donné l'œuf à ma bien-aimée. Non, 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 attends. Qu'est-ce que... Ah, c'est un œuf. J'ai de l'œuf plein sur la main. Au secours. Comment ça? Oui, désolé, les filles avec des mains à l'œuf ne m'intéressent pas trop. Je m'en vais. Mais ce n'est pas de ma faute. Hein? C'est quoi tous ces panneaux? Ils ne veulent vraiment pas que quelqu'un entre là-dedans. Ça me rend encore plus curieuse.
Waouh! Regardez cet endroit! C'est comme un laboratoire secret! Oh, qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est du slime! Je ne devrais probablement pas y toucher, mais je ne peux pas résister! Oh ouais, ça fait du bien! C'est très amusant! Waouh, c'est tout mou! Et super collant! Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah! Aïe! Ça fait mal! Qui êtes-vous? Ce n'est pas bon! Pas bon du tout! Je sais ce qu'il faut faire! Nous aurons besoin de ce slime! Tu sais quoi faire? C'est parti! Étire-le! Tu sais quoi? C'est amusant! Hé! Sois professionnel! Détends-toi, Jerry! Qu'est-ce que vous faites? Non! Enlevez-moi ça! Waouh! Jusqu'où ça peut s'étirer? C'est incroyable! Je ne m'en lasserai jamais! Ça se présente bien! Je suis comme une œuvre d'art! Hé, Lexi! Hein? Je peux voir ton maquillage! Quoi? Hors de question! Nous verrons bien! Regarde mon slime! Éloigne ça de moi! Très bien! Prends-le! Je savais que ça marcherait! J'en aurais aussi besoin! Essayons ça! Je veux voir ce qui cause toute cette agitation! Je vais être très beau! Je serai enfin mannequin! Il me faut des paillettes! Ah! Miles? Je suis comme une œuvre d'art! Qu'as-tu fait? Mon maquillage est abîmé! Quoi? C'est bon! Pourquoi as-tu fait ça? Attends, je peux arranger ça! Tu en es sûr? Je ne sais pas! Attends, mon slime! Il nous sauvera la mise! Je l'appliquerai sur le maquillage. Ensuite, je le ferai rouler. Ça devrait suffire. Voilà, il est comme neuf. Tu ne me laisses jamais tomber, slime. Est-ce que ça va? Regarde ça. Waouh, il a l'air comme neuf. Attends, j'ai autre chose. Hein, de quoi tu parles? Tu peux également les nettoyer. Oh, et ça aussi. Mais, merci Miles, tu es le meilleur. Nous avons beaucoup de travail à faire, slime. Mais je crois en toi. Waouh, c'est déjà si propre. Les cours sont presque terminés. Partons d'ici. Ça marche pour moi. J'ai prévu quelque chose d'important. Regarde ça. T'en penses quoi? Waouh, c'est génial. Waouh, c'est génial. J'y serai sans aucun doute. J'espérais que tu le dises. Je ferais mieux de me préparer. Et hop, toute la bande est là. Je ne vais jamais nulle part sans eux. Attendez, où sont-ils allés? Oh, les bocaux sont vides! Mon pauvre slime, il a disparu! Comment a-t-il pu se produire? C'est un désastre! Qu'est-ce que je vais faire? J'ai une réputation à tenir. Je veux dire, je suis Miles. Miles, le roi du slime. Je ne peux pas perdre ma couronne. Je dois faire quelque chose. Il est temps de se mettre au travail. Il faut que je fasse du slime. C'est tout ce dont j'ai besoin. Du liquide vaisselle. Mais ce n'est pas tout. Il me faut beaucoup de sel. Et du dentifrice. C'est parti! Je commence par le savon et hop! Ensuite, je mettrai du dentifrice et une pincée de sel. C'est tout! Maintenant, je vais mélanger. Il faut que ce soit bien gluant. J'utilise une vieille recette de famille. Elle ne me laisse jamais tomber. Un peu plus devrait suffire. Waouh, regardez-moi ça! Ça peut aller avec le reste! Je suis un maître du slime! Mais je dois vérifier la texture. Il doit être moelleux. Oh ouais! C'est de ça que je parle. C'est magnifique! Il n'y a pas mieux. Vous me complétez mes slimes. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien! C'est l'heure du slime! Je ferais mieux de me préparer. Attendez une seconde! Non, je ne comprends pas! Ce n'est pas possible! Regarde ça, Miles! J'ai hâte d'y être! Je n'ai pas beaucoup de temps! C'est un cauchemar! J'adore le slime! C'est une sensation extraordinaire! Oh oh, c'est Miles! Ouh, qu'est-ce que tu as là? Voyons voir! C'est du slime? Maman, dis qu'il faut partager! Donne-moi le slime!
S'il te plaît, allez, s'il te plaît. Ok, prends ça. Maintenant, pars. Prends ça, slime. Waouh, tu as vu ça? Ne fais pas ça. Mais ça fait du bien. Pourquoi tu es méchante? Vas-y, prends le slime. Je pensais que ça marcherait. Tu m'as vraiment fait de la peine. Arrête de pleurer. Je sais. Regarde ça. C'est censé m'impressionner. Waouh, quel public difficile. Peut-être que ça marchera. Arrête ça. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je sais. Tu vas en prendre plein les yeux. Nous verrons bien. Crois-moi, je sais ce que je fais. Je vais verser ces copeaux de métal sur le slime. Tu vas adorer. Je dois l'écraser. Il faut les mélanger. Ouh, c'est intéressant. Maintenant, j'ai besoin d'un aimant. Regarde bien. C'est là que la magie opère. Tu as vu ça? Le slime bouge. Waouh, je n'en reviens pas. Plutôt cool, non? C'est la meilleure chose que j'ai jamais vue. C'est la meilleure partie. Non, j'y crois pas. Je veux essayer. À toi l'honneur. C'est parti. Tu vois ça? C'est dingue. Comment c'est possible? Maintenant, sors d'ici. Ouf, enfin. Maintenant, je peux jouer. C'est bien du slime. Mais je dois faire des recherches plus approfondies. Intéressant. Très intéressant. Mes recherches avancent bien. Je vais découvrir les secrets du slime. Waouh! Le voilà qui arrive. Le bleu est peut-être mon préféré. Regardez-le aller. Est-ce que je sens du slime? Regardez-moi ça. Je le prends. Le crime parfait. Mais j'en veux plus. C'est incroyable. Attendez. Où est passé le slime? Il était juste là. C'est mon plus beau jour. Miles! J'aurais dû deviner. Chut! Tu gâches le moment. Je veux juste profiter de mes bonbons. Stop! Ne mange pas ça. Hein? Pourquoi pas? C'est du slime. Attends. Et puis quoi maintenant? J'ai une idée. J'ai besoin de tes bonbons. Je les verse dans une casserole. Ensuite, j'augmenterai la température. J'ai besoin que les verres de gomme fondent. Je veux qu'ils forment une pâte gluante et collante. Ça sent bon. Maintenant, je vais ajouter de la fécule de maïs. Ça l'épaissira. Je vais continuer à remuer. Je ne veux pas de grumeaux. Et je ne veux pas le brûler. Je veux qu'il se transforme en slime, comme ceci. Je pense qu'il est prêt. C'est pour toi, Miles. Waouh, c'est trop cool. L'odeur est délicieuse. Du slime comestible. Waouh, c'est comme vivre dans le futur. Waouh, c'est vraiment bon. Et moelleux. Merci, Lexi. Je peux récupérer mon slime maintenant? Comme tu veux, ça c'est mieux. Oh, je m'ennuie tellement. Ces nouilles mettent une éternité à cuire. Allez, dépêchez-vous. Bonjour, Miles. Quelle journée! Mes devoirs sont si difficiles. Regarde ça. Ça ne semble pas si dur. C'est une nouvelle formule, Miles. Hé, tu vas y arriver. Regarde, c'est impossible. Tu peux jeter un coup d'œil? J'ai mieux à faire. Je n'ai pas dormi de la nuit. Ça n'a pas de sens. T'en dis quoi? Ha! C'est toi qui as fait ça? Tiens, prends ça. Et bonne chance. Je m'en vais. Ok, je peux le faire. Je dois juste me concentrer. De qui je me moque? C'est impossible. Attendez, l'inspiration a frappé. J'ai besoin d'une casserole vide. Je vais me débarrasser de ces nouilles. Mettons-nous au travail. Je vais ouvrir le soda et verser le tout dans la casserole. Je vais monter la température. Regardez toutes ces bulles. Je vais continuer à remuer le soda. Il change de couleur. Attendez, il se passe quelque chose. Il devient instable. Ce n'est pas bon. Mettons-nous à l'abri. Est-ce que c'est fini? C'est sans danger. Waouh, j'ai fait du slime. Je ne sais pas du tout comment j'ai fait. Mais je ne m'en plains pas. J'espère qu'il est moelleux. Waouh, c'est le cas. Incroyable. J'avais oublié mes nouilles. Waouh, c'est toi qui as fait ça? Oui. Tu as quelque chose sur le visage. Alors, où sont mes nouilles? Qu'as-tu fait? Ces pauvres nouilles.
Je pense que je vais commander à livrer. Prends-en pour moi aussi. Quel suspense! Non, n'y va pas! Pourquoi est-ce qu'ils font ça? T'as entendu ça? Ces lumières vertes étaient déjà là avant. Tu crois qu'on devrait aller voir ce qui se passe? Allons-y. Je pense que tu devrais y aller en premier. Je suis vraiment obligée. Oh! Des bonbons monstres! Génial! On devrait les goûter. Wow! C'est trop bon! Tu es prête? Ouh! C'est marrant, ça! Waouh! Regarde-moi, je suis un médecin! Je vais goûter! Miam! C'est trop bon! J'adore! Il faut que tu goûtes ça! Non merci, ça va aller! Mindy, t'es sûre que ça va? J'ai dit goûte ça! Non! Tu crois pouvoir m'échapper? Ne t'approche pas! Reviens ici! Au secours! Où est-ce qu'elle est passée? Psst, tu ne m'as jamais vue! Je te trouverai! Pfiou! C'était moi une! Je t'avais prévenu, tu ne peux pas m'échapper! Oups! J'aurais dû vérifier derrière moi! Hein? Tout ça n'était qu'un rêve? Est-ce que tu m'écoutes? Je t'ai demandé si tu voulais goûter. Ah, c'est vrai, j'avais presque oublié. Regarde ça. Waouh, j'espère que c'est à la fraise. Allez, hop. Miam, c'est délicieux. Vraiment excellent. Reprenons-en. Bonne idée. Je me demande ce qui nous attend cette fois-ci. Je commence. Hein? Pourquoi est-ce que j'ai une carte? Ah, je sais! C'est une carte au trésor! Bon, j'y suis. Je devrais commencer à fouiller. Oh, on dirait bien que c'est ici. La chasse au trésor, c'est pas de la tarte. Oui, j'ai réussi! J'ai trouvé le trésor! Je vais devenir riche! J'y crois pas! C'est encore mieux que de l'or! Waouh! Et ça, qu'est-ce que c'est? Bon, j'espère que ça va être bon! Oh! Génial! J'ai eu un iPhone! Je suis dans un jeu vidéo! Oh! Regardez tous ces fruits! C'est amusant! Je devrais y jouer plus souvent! Nous voilà de retour! Ça a l'air bon! Je vais goûter cette boule de gelée! J'espère que c'est aussi bon que ça en a l'air! Quel régal! Oh, quelle chance! Par quel fruit est-ce que je vais commencer? Je crois que le citron me fait de l'œil! C'est parti! Ça a le goût de jus de fruits! C'est délicieux! Je pourrais en boire toute la journée! Bien, maintenant celui-ci! Miam! Est-ce que je peux commencer? Je t'en prie! Quoi? Mais il n'y a rien! Waouh! De la pizza! C'est de mieux en mieux! Une pizza de bonbons! Mes deux plats préférés! Miam! Ah, c'est vraiment mieux ainsi! Je suis jalouse! Des frites? Oh, c'est un peu décevant! Je m'attendais à quelque chose de mieux! J'ai une idée! Finalement, mon camp de vacances à Poudlard n'aura pas servi à rien! C'est parti! Voici la meilleure marmite à potage de ma mère!
Tu ne crois pas que t'en fais un peu trop, Lily? Un peu de Poppy et quelques frites. On mélange avec une baguette magique, enfin plutôt une cuillère à soupe. Abracadabra, goûtez! Ça fonctionne! Est-ce qu'au moins tu sais ce que tu fais? Waouh! Regarde ça! Des frites Poppy! Elles sont si moelleuses! Je devrais faire ça plus souvent! Et sinon, tu peux faire quoi d'autre? Alors, voyons maintenant! On y va ensemble? Go! Oh non, pas encore! Peut-être qu'on pourrait... Oh! Lily! Regarde! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Ça va? Voilà pour toi! Bon appétit! Qu'est-ce que c'est? Hé! Hey! Eh bien, il ne me reste qu'à vérifier par moi-même. Est-ce que ce sont... des vers? Ah! Ouf! Heureusement que ce n'est pas pour moi. Attends, ce sont des faux! La terre aussi n'en est pas vraiment. Ce sont des bonbons en forme de vers et du chocolat. J'adore! C'est comme manger des spaghettis. Hé, hey, je n'ai toujours rien dans mon assiette. Hé! Hey! Wouhou! Waouh! Trop bien! C'est une tête d'alien! J'étais sûre qu'ils existaient vraiment! Désolée que mon plat soit bien meilleur que le tien, Lily! Pas de souci! Par contre, je te pique un œil! Ça a l'air bon! C'est aussi bon que ça en a l'air! Vas-y, mange! D'accord, je vais essayer. C'est gros et vachement lourd. J'espère que je ne vais pas me faire enlever par un ovni. Waouh, c'est bon! C'est même extraordinaire! Ha! Tant mieux, et je vais manger quelques autres vers. J'ai trop hâte de découvrir ce qu'il y a dessous. Je t'en prie, vas-y. Oh non! Ça commence à bien faire. Bon, allez, c'est mon tour. Un coquillage. Waouh, en voilà une chose originale. Je me demande si on entend la mer. Allô? Oh, quelqu'un appelle. Allô? Vous êtes vraiment une sirène? Oh là là, trop génial! Vous pourriez m'envoyer un cadeau? Avec plaisir. Allez, un peu de magie aquatique. Lily va adorer son cadeau. C'est le plus beau jour de ma vie. Wow, merci. C'est magnifique. Il y a quelque chose là-dedans. Oh, c'est trop mignon. Il faut que je goûte. J'adore les produits de la mer. Dès que je vois à manger, je ne peux pas m'en empêcher. J'en reprendrai bien. T'as l'air ridicule. Allez, fais-moi un beau sourire. Oh non, arrête! C'est trop gênant! Fais-moi voir. Oh, je suis affreuse! Supprime-les, s'il te plaît. Ok, ça va, on rigole. Hey! Bien, je vais le faire moi-même. Rends-moi mon portable. Hé, hey, doucement. Ça suffit maintenant. Lâche! Oh, qu'est-ce qui est arrivé à mon téléphone? Génial! C'est trop drôle! Il sent le bonbon! Oh, trop bon! Au moins, tu ne prendras plus de photos ridicules! As-tu apprécié cette vidéo? Fais-nous savoir ce que tu en penses en commentaire ci-dessous et n'oublie pas de la partager et de t'abonner pour plus!